Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Aujourd'hui, nous allons voir comment ne pas s'arrêter sur les plats et comment apprendre à glisser en ligne droite. Nous allons voir dans ce tutoriel deux méthodes pour vous aider à résoudre ce problème. Premièrement, la lecture de terrain. Il est important d'observer les plats et les montées afin de savoir quelle va être la meilleure trajectoire à emprunter. Une fois le terrain visuel, choisissez la trajectoire la plus haute possible. L'objectif est d'éviter de descendre dans les cuvettes afin de conserver toute votre vitesse. Comme on peut le voir sur cette vidéo, le snowboarder franchit la montée sans aucun effort, tandis que certains skieurs nécessitent de pousser sur leur bâton car ils ont perdu leur vitesse. La deuxième technique afin de ne pas s'arrêter sur tous les plats est de réussir à glisser en ligne droite et planche à plat. Pour commencer, cherchez à allonger le plus possible vos virages afin de garder le contact avec une des deux cars. Cela vous permet de pouvoir freiner sur cette car si nécessaire et vous apporte un sentiment de contrôle. Sur cette image, le snowboarder garde le contact avec la car talon. Également, profitez de chaque piste facile afin de glisser d'un point A à un point B en conservant votre planche à plat. Si nécessaire, vous pouvez matérialiser le point A et le point B avec divers objets, comme ici une paire de gants. Vous pouvez également vous entraîner lors de tous vos virages, car sur chaque virage, vous disposez de trois temps. Un premier temps sur une car, un deuxième temps planche à plat, et un troisième temps sur la nouvelle car. On peut voir ici que la phase 2 avec la planche à plat est volontairement rallongée par le snowboarder. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Nomadsnowboard.com vous remercie, et je vous dis à tout bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao !